Et nous bénissons le Seigneur. Les gens qui sont derrière, si vous arrêtez de parler, ça va nous aider beaucoup. Il y a trop des allers-retours derrière là. Seigneur, nous bénissons ton nom. Tu es mon roi. Je vais te
Soit béni. Gott sei gelobt. Nous sommes à l'école des fils des prophètes et des apôtres. Wir sind in einer Schule von Kindern von Propheten und Aposteln. Nous voulons partager la parole de Dieu. Wir wollen das Wort Gottes miteinander teilen. Nous croyons à la grâce de Dieu. Wir glauben an die Gnade Gottes. Nous croyons que notre Dieu est présent. Wir glauben, dass unser Gott ist. Alléluia. Amen. Voilà, aujourd'hui c'est comme un atelier. Heute ist es wie ein Atelier. Je vais parler pendant 45 minutes ou 50 minutes à peu près. Mais nous allons quand même prendre une demi-heure pour poser quelques questions. Je crois que ça nous permettra de comprendre pas mal de choses. Alléluia. Amen. Voilà. On va commencer à prendre juste un texte. J'avais pensé dans mon cœur. Faire un petit cours sur base de ce que j'ai tenté d'enseigner hier. Einen Kurs darüber zu geben auf Basis von dem, was ich gestern schon gelehrt habe. Mais je ne resterai pas sur notre thématique. Aber ich werde nicht mehr gerne die Thematik bleiben. Qui était deux paroles. Welche zwei Wörter waren. Aux actes. Wörter zur prophétique, bien entendu. Natürlich die prophetische Art und Weise. Mais j'aimerais plutôt. Aber ich möchte. Nous amener à comprendre. Uns dazu bringen zu verstehen. Comment Dieu. Wie Gott. Peut commencer par un choix. Mit einer Wahl anfangen kann. D'une personne. Einer Person. Pour l'introduire à certaines dimensions, um ihn in Dimensionen einzuleiten, dans son parcours, in seinem Lauf. Alléluia. Amen. Jérémie d'abord au chapitre 1er. Jérémie chapitre 1. On commence par Jérémie au chapitre 1er. Wir fangen an mit Jérémie chapitre 1. Ça va nous permettre déjà de commencer à poser des bases. Das wird uns schon dazu bringen, diese Basis aufzustellen. Placer les décors de notre enseignement. Das ist die Idee unserer Belehrung. Jérémie chapitre 1. Jérémie chapitre 1. On va lire à partir du 4e jusqu'au 6e verset. Wir lesen von Vers 4 bis Vers 6. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots.
Avant que j'étais formé dans le ventre, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Hatte ich dich schon. Je t'avais établi prophète de nation. Und ich hatte dich als Prophet zum Völker bestimmt. J'ai répondu. Und ich antwortete. Ah, Seigneur, éternel. Herr. Voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Ich taue nicht zu predigen, denn ich bin noch zu jung. Alléluia. Amen. Prenons le verset 10. Nehmen wir den Vers 10. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations. Siehe, ich setze dich über Völker. Et sur le royaume, pour que tu arraches, damit du, que tu abattes, ausreichst, que tu ruines, et que tu détruises, und verdirbst, pour que tu bâtisses, und damit du baust, et que tu plantes. Und du pflanzt. Ici, hier, je voulais prendre la personne de Jérémie comme un portrait pour introduire notre pensée. Wollte ich die Person Jérémie annehmen als Porträt. Je voulais parler du choix d'abord. Et je voulais erstmal von der Auswahl sprechen, wie ich es vorhin gesagt habe. Notre Dieu est un Dieu prophétique. Unser Gott ist ein prophetischer Gott. Pourquoi j'ai dit que notre Dieu est un Dieu prophétique? Warum sage ich, dass unser Gott ein prophetischer Gott ist? Parce que. Weil. Il est celui qui conçoit des choses. Er ist derjenige, der Dinge bestimmt. Dans son être, parce que Dieu est esprit. In seinem Sein, denn Gott ist Geist. Selon ce que la Bible déclare dans Jean au chapitre 4. Durch das, was die Bibel sagt in Johannes 4. La Bible dit Dieu est esprit. Die Bibel sagt Gott ist Geist. Il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit en vérité. Und die, die ihn anbeten, müssen in den Geist und in Wahrheit anbeten. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Also was Gott tut? Il conçoit quelque chose. Er bestimmt etwas. Avant de pouvoir matérialiser la chose. Bevor er diese Dinge materialisieren kann. On peut le voir dans Genèse. Das kann man sehen in Genesis. Au chapitre 1. Kapitel 1. Verset 1. Vers 1. On dit au commencement. Man sagt zu Anfang, zu Beginn. Dieu créa les cieux et la terre. Hat Gott Himmel und Erde geschaffen. Les mots utilisés en hébreu. Die Wörter benutzt auf Hebräisch. C'était Elohim. Das waren Elohim. Qui parlait de Dieu dans sa Trinité. Er sprach von Gott in seiner Dreieinigkeit. C'est-à-dire le Père. Das heißt Vater. Le Fils. Sohn. Et le Saint-Esprit. Und der Heilige Geist. Ça vous remarquez la Colossiens chapitre 1er. Das könnt ihr auch sehen in Kolosser Kapitel 1. Parlant de Christ. Man spricht von Christ. On est en train de dire que tout a été créé par lui, pour lui et en lui. Man ist dabei zu sagen, alles wurde durch ihn geschaffen, für ihn geschaffen. C'est la rejoint durch la pensée de Genèse 1:1 qui montre combien Christ a participé à la création. Wie Christus an der Schöpfung beigetragen hat. Alors, c'est Dieu-là, conçoit une pensée, der bestellt einen Gedanken, de créer le monde, er schafft die Welt, et il l'expose en les matérialisant. Und er materialisiert sie. On peut dire au verset 3, dass man kann Vers 3 sagen, on essaye de zapper un peu la réalité qui passe entre la chute du diable. Man kann ein bisschen sehen, die Realität zwischen dem Fall von Fall. Et quand le monde devient chaos, und wenn die Welt dann quasi chaos ist, après la chute du diable, nach dem Fall des Teufels, verset 3, il dit, Vers 3 sagt er, que la lumière soit et la lumière fut. Dass das Licht sein soll und das Licht haben. Que les choses soient matérielles, damit die Dinge materiell werden, braucht man eine conception spirituelle, braucht man eine spirituelle Konzeption, eine conception prophétique. Und eine prophetische Aufstellung. Alors Dieu, also Gott, veut que nous soyons prophétiques. Möchte, dass wir prophetisch sind. Il est très important de comprendre. Es ist sehr wichtig zu verstehen. Que Dieu, dass Gott, cherche à réunir un peuple, ein Volk aufsucht, prophétique, welches prophetisch ist. Je prendrai Jérémie comme ich nehme Jeremia un modèle, als ein Modell. Mais permettez-moi d'abord d'introduire ma pensée. Aber erlaubt mir erstmal, als meine Gedanken einzuleiten. J'allais dire que nous ne pouvons pas parler du prophétique. Ich hatte gestern gesagt, wir können nicht über das Prophetische sprechen. Qui est le fait ou la capacité de pouvoir comprendre et lire les cœurs de Dieu. Welches die Tatsache ist oder die Fähigkeit Gottes Herz zu verstehen. Si bien entendu, on ne fait pas mention du prophète. Wenn man nicht die Mention des Propheten tut. Les prophètes, der Prophet, à cette dimension, hat diese Dimension, fait l'objet d'un rempart, si je peux le dire comme ça. Das, einfach ein Objekt so herstellen zu lassen. Un canal par qui Dieu peut passer. Ein Kanal, wodurch Gott gehen kann. Même lorsqu'on a lu dans Hébreux au chapitre 1er. Selbst wenn wir das in Hébreux Kapitel 1 lesen. Au verset 1er. Zum ersten Vers. Et que la Bible dit. Da wo die Bibel sagt. Après que Dieu nous ait parlé de plusieurs manières à plusieurs reprises. Nachdem Gott es durch viele Arten und Weisen gesprochen hat. Par les prophètes. Durch Propheten. Aujourd'hui, il nous a parlé par les Christ. Hat uns heute durch Christus gesprochen. Cela n'exclut pas le ministère prophétique. Das schließt diesen prophetischen Dienst nicht aus. Sinon Paul. Sonst. Ne parlerait pas. Hätte Paulus nicht du ministère gesprochen. Prophétique dans Ephésiens chapitre 2. Prophetischen Dienst. Comme étant un ministère de fondement. Als seiner ein Dienst des Aufbaus. Avec le ministère apostolique. Mit dem apostolischen Dienst. Mais je veux aber ich me permettre de vous expliquer. Erlaubt mir das euch zu erklären. Premièrement. Zuerst. Comment Dieu
wie Gott amène les hommes à percevoir les choses. Die Menschen dazu bringt, etwas c'est la dimension prophétique. Das ist eine prophétique. Et comment ces choses peuvent être matérialisées. Und wie diese Dinge dann matérialisiert werden. C'est la dimension apostolique. Das ist die apostolische Dimension. Dieu conçoit quelque chose. Gott baut, erstellt etwas. La création du monde. Die Schöpfung der Erde. En le matérialisant. Und indem er die matérialisiert. Avec une architecture particulière. Mit einer besonderen Architektur. C'est la touche apostolique. Und das hat dann diesen apostolischen Touch. En Dieu. Oh Gott. Alléluia. Amen. Ok. Maintenant, écoutez. Jetzt hör zu. Dieu Gott veut que nous soyons un peuple prophétique. Möchte, dass wir ein prophetisches Volk sind. Que nous comprenions ces choses. Dass wir diese Dinge verstehen. Alors, comment Dieu procède? Also, wie geht Gott dabei dans l'ancienne alliance, in dem alten le Bündnis, prophète était la seule personne par qui war die einzige Person, durch die on peut entendre Dieu. Und durch die man Gott hören connaître et comprendre la volonté de Dieu. Gott kennt und will Gottes zu verstehen. Et s'il arrive que dans cette saison, und wenn es dazu kommt, dass in dieser Saison il n'y a pas un prophète, es kein Prophet gibt, Dieu peut passer par le sacrificateur. Kann Gott durch den Priester gehen. Ou les rois. Oder durch den König. Je vous donne un portrait. Ich gebe euch dazu ein Porträt. À chaque fois zu jedem Mal, que Dieu a voulu communiquer quelque chose, als Gott etwas mitteilen à son möchte, peuple, an sein Volk, il est passé par les prophètes. Ging durch den Propheten, hat den Propheten benutzt. Depuis les temps anciens. Seit den ältesten Zeiten. C'est pour cela. Deswegen, permettez-moi de vous dire que Adam était prophète. Adam est un prophète. Il a reçu une vision. Une mission. Parce que chaque vision, vision est attachée à une mission. Une mission. Parce que la vision, vision, c'est la compréhension de ce que Dieu veut. Ist das Verständnis von dem, was Gott möchte. La mission, aber die mission, c'est la mise en pratique ist diese praktische Umsetzung de la vision qu'on a compris. Von der vision, die man verstanden bien entendu, la vision, also sehr gut verstanden, die vision, c'est ce qui est dans le cœur de Dieu, c'est ce que Dieu veut. Das ist das, was im Herzen Gottes liegt, das, was Gott möchte. Quand on le met en route, und wenn man es in den Wandel legt, dann geht man in die Mission. Und Adam, Dieu lui a dit des choses. Gott hat ihn il a placé gesagt, comme prophète. Hat ihn als Prophet aufgestellt. Il a perçu une vision. Hat ihm eine Vision gegeben. Matérialisé. Und diese sollte er materialisieren. N'a pas pu. Und als er das konnte, de sa mission, dass er als er nicht den Thema konnte von seiner Mission. Dieu l'a rejeté. Hat Gott ihn dann verworfen. Et vous remarquez, und ihr werdet merken, Adam, als Adam n'était plus dans son office, nicht mehr in Dieu avait maison, besoin de lancer un message. Benötigte Gott eine et Nachricht, il passe par Abel. Und er geht dann durch Adam. Une dimension, une touche de la sacrificature. Ein Touch von diesem Priestertum. Par la manière à offrir l'offrande. Dann in diese Opfergabe geben. C'est une lecture vis-à-vis du cœur de Dieu. Das war eine Lektüre in dem Sinn Gottes. Donc Dieu. Das heißt Gott. Quand il veut communiquer dans l'ancienne alliance. Wenn er etwas mitteilen möchte, ou dans l'Ancien Testament. Oder im Alten Testament. Parce que l'ancienne alliance ne commence que dans. Denn das alte Bündnis Exodus Kapitel 9. Il passait par le prophète. Dann ging er durch Propheten. S'il n'y a pas un prophète. Und wenn es keinen Propheten gab. Il va passer par un sacrificateur. Dann geht er durch einen Priester. Ou par une personne qui peut se disposer. Oder durch eine Person, die sich aufstellen kann. À une certaine dimension. Es eine gewisse Dimension. C'est pour cela qu'on a tendance à lire. Deswegen. Dans l'ancienne alliance. Dieu n'opérait que par trois types de personnes. Gott handelt nur durch drei Typen von Personen. Könige, Priester und Propheten. C'est pour cela. Deswegen. Dans Nombre chapitre 11. In Numeri Kapitel 11. Verset 16. Vers 16. Quand Dieu a vu. Als Gott gesehen hat. Devait tourner tout autour de Moïse. Alle müssen sich umsagen zu ihm. Allons consulter un voyant. Gehen, lass uns nach Rom. Mais dans la nouvelle alliance, aber im neuen Bündnis, les choses ne sont pas pareilles. Sind die Dinge nicht gleich? Le rôle du prophète dans la nouvelle alliance, die Rolle eines Propheten im neuen Bündnis, être de tout, ist nicht das Zentrum von allem zu sein. Mais par contre, aber im Gegenteil, d'amener les gens à comprendre, die Leute dazu zu bringen, zu verstehen, le cœur de Dieu, wie man das Herz von Gott lesen kann. Et cela passe par la diversité d'enseignement, und das geht durch die Vielfältigkeit von Belehrungen. Um ein prophetisches Volk aufzustellen. Que nous croyons que les dons se transmettent aussi par un positionnement. Obwohl wir auch glauben, dass diese Gaben durch eine bestimmte Position vergeben werden. So wie Paulus zu Timotheus sagt, ne néglige pas, vernachlässige nicht die Gaben, die du bekommen hast durch Handauferlegung. Jusque-là, c'est clair? Bis dahin ist es deutlich. Alors, en parlant de Jérémie, also beim Sprechen von Jeremia, si vous lisez le verset premier, wenn ihr den ersten Jérémie Vers lest, Jeremia Kapitel 1, vous allez voir, Dieu veut prendre jemanden nehmen möchte, qui n'est pas prophète, der nicht Prophet ist, qui est sacrificateur, der Priester ist, Dieu veut l'amener, Gott möchte ihn nehmen, à un transfert, zu einem Transfer, de la sacrificature, zu einem Transfert hin von Priestertum
Parce qu'au verset premier, du livre de Jérémie, vom Buch Jeremia, on dit ceci. Sagt man folgendes. Parole de Jérémie, Wort von Jérémie, fils de Ilkija, der Sohn von l'un des sacrificateurs d'Anatot, einer von den Priestern in Anatot, dans le pays de Benjamin. Im Land Benjamin. Jérémie était sacrificateur. Jérémie war also Priester. Les commentateurs ont dit ceci. Die Kommentatoren haben das gesagt. Quand Dieu est en train de parler à Jérémie ici, als Gott zu Jérémie in diesem Moment Jérémie gesprochen avait à peu près 25 ans. War Jérémie ungefähr 25 Jahre alt. Jérémie est né Jérémie ist geboren. Vers l'an 650. Im Jahr 650 avant Jésus-Christ. Vor Jesus Christus. Et à 7 ans, und in dieser Zeit, il avait à peu près 25 ans. War er ungefähr 25 quand Jahre alt. Quand Dieu lui parle. Als Gott ihm sprechen möchte. Mais cela paraît quand même bizarre. Aber das kann man ein bisschen parce qu'un sacrificateur ne pouvait pas rentrer en fonction, kann nicht in die Funktion eingehen avant ses 30 ans. Vor seinen 30 Jahren. Bien que la sacrificature ait été choisie par race, auch wenn wir dieses Priestertum als Rasse ausgesucht wurde, musste er Nachkommen von Abraham und Jeremia historischerweise kam aus Abiatar, qui aussi de la descendance de Lévi, comme die auch von Nachkommenschaft von Levi ist. Mais il avait moins de 30 ans. Aber er war unter 30 Jahren. C'est là où mon problème commence. Und da beginnt mein Problem schon. Vous savez, in allen Gesetzen, il y a des règles à respecter. Da gibt es Regeln, die man respektieren muss. En français, im Französischen, le pluriel de mots, das Plural von Wörtern, point S. Mit S. Le pluriel des mots, das Plural von Wörtern, il faut rajouter S. Da muss man ein S hinzufügen. Mais il y a des mots qui restent invariables. Aber es gibt manche Wörter, die sich nicht variieren. Je pars chez Exaucé. Ich gehe zu Exaucé. Je pars chez. Ich gehe zu. De Luxembourgeois. Zu den Luxemburgern. Le chez là, ça ne changera pas. Dieses zu wird sich nicht ändern. Ça restera invariable. Das bleibt unveränderlich. Amen. Amen. Tous les mots en français. Alle Wörter auf Französisch, qui finit par qui, die mit auf qui, u, oder u et e, und e, sont au féminin. Die sind féminin. Mais le prophétique est au masculin. Aber das Prophetische ist im Maskulin. Alléluia. Amen. Alors les cas exceptionnels ne manquent jamais. Also die unglaublichen Fälle, die fehlen nicht. Avant ses 25 ans déjà sacrificateur. Jérémie ist sogar in seinen 25 Jahren. Et quand Dieu le parle, und als Gott zu ihm il spricht, est sacrificateur. Ist der Priester. Mais Dieu le parle. Aber Gott spricht zu ihm. Pour le faire quitter de la sacrificature. Um ihn vom Priestertum wegzunehmen. Au ministère prophétique. Und zum prophetischen Dienst. Vers 4 maintenant qu'on vient de lire. Vers 4, was wir gerade gelesen. La parole de l'Éternel fut adressée en ces mots. Und das Wort des Herrn kam zu ihm. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Das Wort des Herrn kam zu ihm. Qui parle? Wer spricht? C'est Jérémie qui parle. C'est Jérémie qui spricht. Jérémie parle. Jérémie spricht. Ici. Hier. Jérémie est en train de faire un discours indirect. Macht Jérémie eine indirekte Rede. Parce que si c'était un discours direct. Wenn das eine direkte Rede wäre, dann hätte er gesagt. La parole de l'Éternel me fut adressée lorsque l'Éternel me dira que avant que je sois né. Das Wort des Herrn kam auf mich zu und hatte mir gesagt, als ich geboren wurde. Il fait un discours indirect. Er macht eine indirekte Rede. Après la proposition principale, c'est comme s'il parlait d'une autre personne. Es ist so, als würde er danach über eine andere Person sprechen. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Das Wort des Herrn kam zu mir in diesen Worten. Deux points. Zwei Punkte. Avant que j'étais formé dans le ventre, bevor ich dich im Mutterleib geformt hatte, je te connaissais. Kannte ich dich. Maintenant ici, il y a quand même un bouleversement. Und hier gibt es nun un bouleversement à quel niveau? Eine Besonderheit in welchem Niveau? Je suis sacrificateur. Ich bin Priester. Je connais mes fonctions. Ich kenne meine Funktion. Je le fais faire par fonction sur base de ce que Dieu avait dit ich à Moïse. Ich mache das auf Funktion, auf Basis dessen, was Gott Mose gesagt hat. Dans Exode chapitre 28, in Exodus Kapitel 28, Vers 1. Dieu avait programmé hatte Gott que le fils d'Aaron, programmiert, dass les gens de la descendance de Lévi, am Tag der Nachkommenschaft von Levi, devait être le sacrificateur. Dass er ein Priester sein müsste. Tu peux pas être sacrificateur. Du kannst nicht Priester quand sein. Tu n'es pas de cette lignée. Wenn du nicht von dieser Nachkommenschaft bist. Alors, il est sacrificateur. Also er ist Priester. Mais Dieu l'appelle. Aber Gott beruft ihn. À autre chose. Zu anderen Dingen. Déjà, les problèmes dans le cœur de Jérémie commencent à ce niveau. Das Problem im Herzen von Jeremia. Ce seront les cas de plusieurs personnes. Das ist so der Fall von mehreren Personen. Moi, je sais ich weiß, que je suis appelé à telle chose. Ich bin dazu berufen, auf diese Sache oder et diese Dinge zu tun. Chose, aber wenn Gott dir jetzt was bringt, tu ne comprends pas. Dann verstehst du es nicht. Mais écoutez, aber hör zu. Mais quand tu entres dans la profondeur maintenant de la chose, wenn du nun in die Tiefe kommst, verstehen, was Gott zu Jeremia sagt. Était déjà marqué avant qu'il soit sacrificateur. Und das wurde schon bestimmt, bevor er überhaupt Priester war. Ici, hier, il y a deux choses. Gibt es zwei. La sacrificature, der Priestertum, c'est le choix das ist que Dieu porte sur Aaron.
the God of Aaron, qui descend sur ses descendants. Der von dieser Nachkommenschaft. Le ministère prophétique. Der prophetische Dienst. Chez le choix des dieux. Auswahl Gottes. Qui se porte directement sur Jérémie. Die sich direkt auf Jeremia legt. Mais qui reste caché. Wer bleibt aber nun verborgen? Parce qu'on ne devient pas prophète par descendance. Denn man wird nicht Prophet durch Nachkommenschaft. On devient sacrificateur par descendance. Man wird Priester durch Nachkommenschaft. On ne devient pas prophète aber par descendance. Man wird nicht Prophet durch Nachkommenschaft. On devient prophète par man appel. Wird Prophet durch Berufung. Au cas contraire. Im gegenteiligen Fall. Gershom, l'enfant de Moïse, allait être Gershom, der Sohn von Mose, sollte Prophet sein. Il ne l'était pas. Aber war es nicht. Alléluia. Amen. Ici maintenant Dieu vient. Hier kommt nun Gott. Il vient dire à Jérémie. Und sagt zu Jeremia, des choses que Jérémie ne connaît pas. Dinge, die Jeremia nicht wusste. Des choses qui ne sont jamais montées dans le cœur de Jérémie. Dinge, die nie in den Herzen von Jeremia aufgehen. Hier, j'étais en train de dire, il y a une profondeur. Zu sagen, es gibt eine Tiefe. Dans le prophétique. Im prophetisch. Où le prophétique, c'est un monde de découverte. Das prophetische ist eine Welt der Entdeckung. On découvre les choses. Man entdeckt Dinge. Et on continuera à découvrir. Und man wird auch weiterhin entdecken. Écoutez. Hör zu. Dieu appelle Moïse. Gott ruft Moïse. Exodus chapitre 3. Exodus Kapitel 3. 6 à 8. 6 bis 8. Il explique l'ossature des choses. Erklärt ihm. Va libérer mon peuple. Geh befreie mein Volk. Qui j'ai mis en Égypte. Die welche sich in Ägypten aufgelegt haben. Ils sont sous l'oppression. Die sind unter Druck. Ils sont esclaves. Die sind Sklaven. Des Égyptiens. Von den Ägypten. Mais amène-le. Aber bringe dans la terre promise. Zum versprochenen Dieu ne parle pas du désert. Gott spricht da nicht von der Wüste. Dieu ne parle pas du tabernacle. Gott spricht nicht vom Tabernakel. Il ne parle pas de la loi. Er spricht nicht vom Gesetz. Mais comment ils vont arriver là? Aber wie werden sie dort ankommen? Sans loi. Ohne Gesetz. Parce qu'ils deviendront le peuple de Dieu. Denn sie werden das Volk Gottes. Dieu cache les choses. Gott verbirgt Dinge. Dès qu'ils entrent dans le désert. Sobald sie in die Wüste eingehen. Chapitre 20 du livre d'Exode. Kapitel 20 vom Buch Exodus. Il donne la loi. Da gibt er dann das Gesetz. Chapitre 25. Kapitel 25. Verset 9. Vers 9. Du livre d'Exode. Vom Buch Exodus. Il dit tu feras le tabernacle. Dann sagt er, du wirst das Tabernakel. Selon le modèle que je te montrerai. Nach dem Modell, was ich dir geben werde. Pourquoi? Warum? Ils ont la loi. Sie haben das Gesetz. Mais quand ils pécheront contre cette loi. Aber wenn sie gegen dieses Gesetz verstoßen. Comment ils vont se faire pardonner? Wie werden sie dann vergeben? Ils font un lieu de rencontre. Sie brauchten einen Ort. Entre eux. Zwischen ihnen. Et Dieu. Und Gott, wo sie sich le tabernacle. Und das ist der Stiftzug. Stiftzüge. Mais comment ils arriveront à marcher avec Dieu? Wie werden sie aber schaffen, Gott zu folgen? Man braucht Prinzipien, das Gesetz. Et Dieu, und Gott, quand il opère prophétiquement, il te dira jamais tout au même moment. Er wird dir niemals alles zu selben Moment. Und tu auras du mal à le digérer. Erstens wirst du du wirst Probleme damit haben, es zu verstehen. Trois. Und drittens, ça sera trop. Das wird einfach zu viel sein. Tu auras du mal à pouvoir le placer. Du wirst schwierig haben, das alles zu platzieren. Damit sich das erfüllen kann. Deswegen funktioniert Gott nach Maß. Und in der gleichen Weise, wie du ein Kind aufwachsen bringst, du gibst ihm erstmal eine Flasche. Du gibst ihm natürlich nicht Pommes. Du gibst ihm nicht zwei Monate. Dann wird es nach Maß. Wenn du in den Supermarkt gehst, du wirst sehen, es gibt viele Arten von Milch. Un qui vient de naître. Für ein Kind, was gerade neu geboren ist. Qui a trois mois. Ein Kind, was drei Monate alt un ist. Qui a six mois. Ein Kind, was sechs Monate alt ist. Qui a une année. Oder für ein Kind, was ein Jahr alt il y a ist. Progression. Es gibt da einen Fortschritt. Mais les que l'enfant a pris quand il avait un mois. Aber diese Milch, die das Kind genommen hat, als es ein Monat alt war, même s'il les prend plus. Ist sogar immer noch in seinem Körper, selbst wenn es nicht so ist. Die den Körper aufbauen. Certaines cellules de son corps. Oder einige Zellen aus seinem Körper. Bien qu'on le fasse. Selbst wenn man es nicht meint. Dieu progresse. Gott macht Fortschritte. Deswegen schaffen es viele Leute nicht in die Atmosphäre prophetisch. Die bleiben nur auf das, was sie kennen. Je suis sacrificateur. Ich bin Priester. Qu'est-ce que tu m'amènes? Was bringst du mir? Dieu lui dit. Gott sagt zu ihm. Avant que tu sois formé dans le sein maternel. Bevor du im Mutterleib geformt warst. Je te connaissais. Kannte ich dich. Le mot connaissais. Dieses Wort kennen. Dans l'original. Im Original. C'est le même mot. Ist das gleiche Wort. Qui parle de. Welches spricht. Ce que Jean dit dans Jean chapitre 8. Von dem, was Johannes im Au verset 32. Vers 32, quand il dit, als er sagt, vous connaîtrez la vérité, ihr werdet die Wahrheit erkennen, et la vérité vous rendra libre. Und diese Wahrheit wird euch befreien. C'est cette connaissance-là. Das ist auch diese Kenntnis. C'est les mêmes mots. Und das ist das gleiche dans Wort. Sa racine.
qui a aussi été utilisé dans Genèse au chapitre 4, Genesis, au verset 1, lorsqu'on dit Adam connut Ève. Adam kannte Eva. C'est-à-dire la connaissance, das heißt, die Kenntnis, que l'homme peut avoir de sa femme, welche ein Mann von seiner Frau dans leur intimité, in deren Intimität, c'est la même connaissance ist auch die gleiche Kenntnis, que Dieu a vis-à-vis de nous, die Gott bezieht, et c'est la même connaissance, ist auch die gleiche Kenntnis, que Dieu aimerait, die Gott, que nous puissions avoir à son égard. Die Gott möchte, dass die wir haben. Et pour nous inculquer cette connaissance, uns diese Kenntnis il place des points de repère, platziert Punkte, il met des choses en place, er stellt besondere Dinge bereit, pour nous amener à cette connaissance, um uns zu dieser Kenntnis zu bringen. Et parmi ces choses, und durch diese Sachen, il y en a peut-être trois, es gibt vielleicht peut-être il y a plusieurs, oder mehr, mais j'en parlerai de trois. Aber ich spreche von drei davon. Premièrement, les problèmes. Erstens, das Problem. Le problème peut t'amener à une connaissance, das Problem kann dich zu einer Kenntnis, à une autre face de Dieu, an ein neues Angesicht, eine neue Sichtweise von Gott. Deuxièmement, zweites Wort, un cycle qui s'arrête. Ein Zyklus, welcher endet. Quelque chose que tu avais l'habitude de faire. Etwas, wo du die Gewohnheit hattest, es ständig zu tun. Es hört auf. Dieu veut communiquer quelque chose. Gott möchte dann etwas mitteilen. La troisième chose, c'est un devoir, vous devez chercher. Die dritte Sache ist eine Aufgabe, die sollt ihr suchen. Je reviens. Ich komme wieder avant zurück. Que tu sois né, bevor du geboren wurdest, oder bevor du im Mutterleib geformt wurdest, je te connaissais, kannte ich dich. C'est-à-dire, das heißt, dans mon plan, in meinem Plan, bien que je savais, obwohl ich que wusste, tu de la famille de la sacrificature, dass du aus der Familie einer Nachkommenschaft kommst, mein Plan war schon, dass du ein Prophet wirst. Mon plan était que tu sois un prophète. Mein Plan war es, dass du ein Prophet wirst. Et il dit, und er sagt, je t'ai consacré. Ich hatte dich ernannt, berufen. Avant que je t'aie formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Leib deiner Mutter et avant que tu sois sorti, und bevor du geboren wurdest, je t'avais consacré. Hatte ich dich geheiligt. C'est-à-dire, das heißt, avant, bevor, davor, qui est symbiose entre le papa et la maman, während es dieses Zusammenspiel von Mutter und Vater gibt, Dieu le connaissait. Kannte Gott ihn schon. Il y avait un lien. Und da gab es ein Bündnis. Maintenant, Jérémie était dans les consciences. Und Jérémie war dans le Bewusstsein. Mais Dieu était dans la conscience. Aber Gott in seinem Bewusstsein. Les deux esprits se connaissaient. Diese zwei Geister haben sich gekannt. Mais l'esprit de Jérémie, aber der Geist ne pouvait pas avoir une connaissance accomplie. Konnte nicht eine erfüllte Kenntnis haben. Parce que Jérémie, denn Jérémie était naturellement inexistant. War natürlicherweise, er existierte noch nicht. Mais Dieu le connaissait. Aber Gott kannte ihn dann schon. Et Dieu le rappelle. Und Gott erinnert ce mystère-là. An diesen, die, an il dit maintenant, avant que tu puisses sortir du ventre de ta mère, er sagte, bevor du geboren wurdest, je t'ai consacré. Hatte ich dich geheiligt. C'est-à-dire, quand tu es venu, das heißt, après que ton père et ta mère soient mis ensemble, bevor deine Mutter und deine Vater sich zusammengetan haben, qu'est-ce qui s'est passé? Was ist passiert? Je bin ma main. Ich hatte mein Hand, j'étais consacré. Hatte dich geheiligt. Les mots consacrés, dieses Wort geheiligt, qu'on a utilisé en hébreu, parmi les cinq mots, hatte, mais parmi les cinq mots, aber unter je vais prendre seulement un seul. Werde ich einfach nur ein einziges daraus nehmen. Naza, c'est la même racine que Naziréen. Das hat die gleiche Herkunft wie Naziréen. Ou Naziréen. Oder Naziréen. Quand quelqu'un faisait le Naziréen, il se mettait à l'écart. Wenn jemand den Naziréen gemacht hat, dass er sich verändert hat, um ein unterschiedliches Leben zu haben. Und diese Marke, que Dieu avait placée en lui, das war eine Marke, die Gott auf ihn gelegt hat, que sa vie ne corresponde pas à la vie des autres. Damit sein Leben sich nicht dem Leben der anderen gleicht. C'est ça même, il était déjà sacrificateur avant ses 30 ans. War er schon Priester vor seinen 30 Jahren. Il y a des choses qui se passent dans la vie de chaque personne. Es gibt Dinge, die im Leben passieren von des autres, die sie von anderen Personen unterscheiden. Aber man wird niemals verstehen, warum. Alléluia. Mais écoutez bien le Seigneur. Aber hör gut zu. Il dit, er sagt, avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Bevor du geboren wurdest, hatte ich dich geheiligt. Troisième chose, sagt, je t'avais établi. Ich hatte dich aufgestellt. Prophète des nations. Als Prophet der Nation. Je n'ai jamais été prophète. Mais comment j'ai été déjà établi? Ich war noch nie Prophet, aber wie wurde ich dazu aufgestellt? Indem ich geboren wurde, indem ich aufgestellt. Cela peut paraître une contradiction. Das kann auch ein Widerspruch sein. Par rapport à la reconnaissance ministérielle que les hommes de Dieu nos pasteurs font. Der Erkennung des Dienstes, die Pastoren tun. Il n'y a rien de contradictoire. Es gibt aber nichts, was widersprüchlich ist. Aucun pasteur. Kein Pastor. N'appelle quelqu'un.
C'est Dieu qui nous appelle. Tu planifies les choses. Tu prépares quelque chose. Mais cette chose-là ne sortira jamais tant qu'un homme ne le reconnaît pas. Actes chapitre 13. Apostelgeschichte Kapitel 13, 1-3. Pendant qu'ils servaient Dieu dans leur ministère, on compte Paul parmi les prophètes et les docteurs. Mais Dieu avait prévu qu'il soit apôtre. Mais Ananias l'avait dit dans Actes chapitre 9. In Apostelgeschichte Kapitel 9. Selon son niveau. Ananias a dit, cet homme c'est un instrument. Dieser Mann ist ein Instrument. Il parlera devant des rois. Er wird vor Königen sprechen. Il parlera devant des nations. Er wird vor Völkern sprechen. Il parlera devant des autorités. Er wird vor Autoritäten sprechen. À cette dimension, Ananias est en train de dire, mais parler du ministère apostolique de Paul. Mais avec ces mots, parce que parler devant des rois, parler devant des nations, oder vor Nationen sprechen, il y a une tendance apostolique. Da gibt es eine apostolische Tendenz. Du wirst ihnen sprechen, um ihnen eine andere, die er brisera Mentalität aufzulegen, um diese Mentalität zu zerstören. Denn das Aposteltum brise le mauvais fondement, das bricht diese Fondationen, um gute Basen herzustellen. On va y arriver. Wir werden darauf zurückkommen. Je t'ai mis à part. Ich hatte dich zur Seite gestellt. J'étais Nazar. Ich war Nazar. Je t'ai mis à part. Je t'ai dit, das ist das, was Exodus, chapitre 4. Exodus Kapitel 4. Il y a des gens parmi nous qui sont dans ces cas. Es gibt Leute unter euch, die in diesem Fall sind. Dieu veut un shift. Gott möchte eine Änderung. Mais écoutez, étant sacrificateur, als Priester, tu parles devant les gens. Sprichst du vor Leuten. Parce qu'un sacrificateur, denn ein Priester, a un service accompli hat einen Dienst, wer dans le lieu saint, in heiligen Orten. Soit les matins, soit les soirs. Sei es morgens, sei es abends. Soit c'est l'offrande du matin. Soit c'est l'offrande du soir. Sei diese Gabe am Abend. Et dans le lieu très saint, c'est le souverain sacrificateur qui est entré une fois. Ist der hohe Priester, derjenige, der einmal reingeht. Christ est comme souverain sacrificateur. Christus als hohe Priester. L'a fait une seule fois pour toutes. Hat es ein einziges Mal für alle. Mais le sacrificateur, aber der Priester, devait faire ses services. Musste diesen Dienst machen. Quand il entre, wenn er reingeht, il porte le poids et le péché du peuple. Er streckt die Sünden pour les présenter à Dieu. Um sie Gott zu präsentieren. Et quand il sort, wenn er dann rauskommt, il doit sortir avec un message. Dann muss er mit einer Nachricht rauskommen, die Gott ihm gibt. Mais celui qui exerce ses fonctions, aber derjenige, der seine Funktion erfüllt hat, sagt dann zu Gott, je ne sais pas parler. Ich kann nicht sprechen. Il explique, er erklärt, à celui qui les connaît mieux que lui-même, zu denjenigen, die ihn besser kennen als ich, des choses connaissant sa personne. Dinge, Kenntnis zu einer Person. Vous savez beaucoup les prières que vous faites, non pas les parties, pourquoi? Viele Gebete, die ihr macht, haben parce que dans vos prières, vous essayez d'expliquer à Dieu, ihr versucht Gott zu erklären, qu'est-ce qui semble être difficile dans vos vies, was schwierig scheint in eurem Leben, quelle est la grandeur de vos souffrances, was die Größe ist von eurem Leid. Pendant que dans la prière, Dieu n'attend pas ça. Während im Gebet Gott nicht darauf wartet. Dans la prière, im Gebet, Dieu attend, wartet Gott darauf, que tu puisses lui dire, dass du ihm sagst, ce que tu as compris de ce temps, was du in dieser Zeit verstanden hast. Et en lui demandant quelque chose, und dass du ihm, wenn du qu'est-ce que tu attends maintenant de lui, was du nun von ihm erwartest, par rapport à ce qu'il va faire dans ta vie, bezüglich dem, was Gott et quelle gloire il tirera dans ce qu'il fera, welche Herrlichkeit er daraus ziehen wird, wenn er das tun wird. Amen. C'est pour cela que vous remarquerez ceci. Quand tu pries dans la nouvelle alliance, wenn du betest im neuen Bündnis, tu ne peux plus dire que ton règne vienne. Dann kannst du nicht mehr sagen, dass deine Herrlichkeit. Mais c'est Jésus qui avait dit. Sondern Jesus hatte gesagt. Dans Matthieu chapitre 6. Matthäus Kapitel 6. Verset 9 à 15. 9 bis 15. Quand vous prierez, wenn ihr priez, notre Père est aux cieux. Ihr werdet sagen, que ton nom soit sanctifié. Dein Name sei geheiligt. Que ton règne vienne. Mais dans la nouvelle alliance, aber im neuen on ne peut plus demander son règne. Kann man nicht mehr nach seinem Reich fragen. Parce qu'il nous a sauvés. Et qu'il est notre Seigneur, er ist unser le Herr. Seigneur règne. Und der Herr parce qu'il vit au-dedans de nous. Er herrscht in uns. Par le Saint-Esprit. Durch den Heiligen Geist. Alors on ne dira plus que ton règne vient. Sagt nicht mehr, dein Reich kommt. On va dire manifeste-toi dans ton règne. Manifestiere dich in deinem Reich. Deswegen. Jacques dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez. Jacques, ihr fragt und ihr erreicht es nicht, weil ihr nicht. Vous cherchez à expliquer à Dieu.
Surtout les femmes. Seigneur, toi-même tu sais, regarde comment les gens se moquent de moi. Ça, ce sont des accusations. Je suis blessé. Par mes paroles déchirées. Mais Dieu sait que tu es blessé parce que tu aimes te blesser. Parce que même si tu te blesses pas, ces gens-là ne changeront pas d'avis vis-à-vis de toi. Mais ils changeront ta vie vis-à-vis de toi que lorsque tu commences à opérer dans une autre sphère, dans une autre dimension, dans une autre gloire. Ok. Maintenant, Jérémie Wood. Lisons un peu Exode chapitre 4. On peut mettre ça sur les tableaux. Je vais juste te lire à partir du verset 10. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles avec ton serviteur. Ici, Moïse est en train d'expliquer à Dieu des choses que Dieu connaît. Le Dieu omniprésent, omnipotent. Moïse l'explique, tu sais Dieu. Mon problème de langage, mon problème de bégaiement, ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais ce petit Moïse est en train d'oublier que 80 années en arrière, c'est Dieu qui lui avait parlé de la mort. C'est Dieu qui avait touché le cœur de la fille de Pharaon. Afin que cette fille de Pharaon puisse avoir le cœur de pouvoir le prendre. Parce qu'on savait que c'est un œuvre. Mais il explique à ce Dieu-là qui le connaît. Qui connaît tous ses défauts. Toutes ses incompétences. Mais toi et moi, nous faisons ça. Et ça, c'est les prières quand tu finis de le faire. Sans impact. Ohne Einfluss. Demain, ohne Auswirkung. C'est la même chose. Wird es dann wieder die gleiche Sache. Übermorgen. Wieder die gleiche Sache. Je continue. Ich mache weiter. Car j'ai la bouche et la langue embarrassées. Mais Moïse, Dieu le sait. Aber Mose, Gott weiß doch, wovon du sprichst. Verset 11. Vers 11. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'âme et qui rend muet ou sourd, voyant ou avec, n'est-ce pas moi, l'Éternel? Le Dieu commence à s'expliquer. Le Seigneur commence à conforter la foi de Moïse. Der Herr versucht den Glauben von Mose pour lui amener à accepter la Berufung. Je continue. Ich mache weiter. Verset 12. Vers 12. Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Alors la parole de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Et voici lui-même qui vient au devant toi. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Alléluia. Amen. Qui a appelé Aaron? Ce n'est pas Dieu. C'est Moïse qui a appelé Aaron. Les inquiétudes ouvrent une brèche à une autre personne. D'entrer là où il ne pouvait pas entrer. C'est pour ça qu'il était facile à Aaron de faire les photos. Parce que, vous savez, il y a des gens qu'on prenne comme collaborateurs. Pour Dieu, il est le fils. Bien aimé. À chaque fois que Dieu t'amène dans une certaine direction, toi tu doutes. Jedes Mal, wenn Gott dich in eine bestimmte Richtung bringt, und du Dieu prend quelqu'un d'autre à ta place. Wird Gott jemand anderes an deiner Stelle nehmen. Et quand toi tu te plains, und wenn du dich dann beschwerst, Dieu n'écoute pas les plaintes des gens. Gott hört nicht auf die Beschwerden. Les larmes n'impressionnent pas Dieu. Die Tränen beeinflussen Gott nicht. Dieu Gott est touché par le cœur qui comprend. Ist berührt durch das Herz, wenn c'est que lui veut. Von dem, was er möchte. C'est ça l'adoration. Das ist die Anbetung. Alors écoutez. Also hör zu. À cette dimension. In dieser Dimension. Je vous dis une connerie. Quand Moïse fait ce genre de débat. Als Mose diese. On appelle Aaron. Ruft man Aaron. Ça l'a soulagé. Si vous lisez le chapitre 5, il a quitté Madian avec sa femme et les deux enfants pour aller accomplir la mission. Tu sais, il y a des choses qui se passent. Hein?
passiert. Quand tu es tenté de douter par rapport à ce que Dieu te demande de faire. Wenn du dabei bist zu zweifeln bezüglich das, was Gott möchte, dass du tust. Tu oublieras même l'essentiel. Dann vergisst du sogar das Wichtigste. Il était hébreu. Er war hébreu. Depuis que ses enfants étaient nés. Seitdem il les a jamais circoncis. Und er hatte sie niemals. En quittant. Il n'a même pas pensé à la circoncision. Hat er nicht mal. Qui était une loi perpétuelle. Das que Dieu avait donné à Abraham. Welches Gott Abraham gegeben. Dans Genèse chapitre 17. Il part comme ça. Et la Bible dit Dieu voulait les tuer. Er ist einfach so gegangen. Comment les dieux qu'il a envoyé en mission veulent les tuer? Wie kann der Gott, der ihn auf Mission geschickt hat, ihn töten? Ce n'est pas Dieu. Das ist nicht Gott. C'est l'ordre de Dieu qui voulait les tuer. Das ist das Gesetz Gottes, was sie töten wollte. Tu sais? Weißt du? Si on éteint la lumière. Wenn man das Licht ausschaltet. Et qu'il y a cette table là ici. Und dieser Tisch steht hier. Tu veux passer? Il n'y a pas la lumière. Tu vas te cogner. Dann wirst du dich stoßen. Tu vas te fâcher contre la personne qui a mis la table. Du wirst dann beleidigt sein auf die Person, mais, die diese Tisch fâcher contre la table. Du kannst aber auch auf den Tisch stoßen. Tu vas te fâcher contre ça. Aber du kannst tu vas te fâcher en réalité contre ton manque d'intelligence qui ne t'a pas permis d'allumer la lumière. Donc quand tu n'es pas illuminé. Also wenn du, tu louperas certaines choses. Wenn du so nicht bist, dann wirst du eine Dinge et tu vas t'irriter pour rien. Und du wirst dich dann beschweren für nichts. Je ferme cette porte. Und ich schließe diese Tür. C'est ce que nous faisons. Das ist das, was parce wir machen. Prophétique. Denn wir sind nicht prophetisch. Je retourne à Jérémie. Ich gehe zurück auf Jérémie. Alors Jérémie. Jérémie. Quand Dieu l'appelle. Als Gott ihn beruft. Comme tout le monde. Quand Dieu t'appelle. Wenn Gott dich il va te donner l'objet de ton appel. Will er dir das Objektiv deines deiner Berufung geben? Il y a le choix. Es gibt die Wahl. Je parle du choix. Auswahl. Le choix s'est fait sur base d'une élection. Die Wahl macht sich auf Basis einer Elektion. Lorsque un président doit être élu. Wenn ein Präsident ausgewählt werden muss. Les députés et le reste. Dann werden die Abgeordneten der Rest. Il y a un choix qui se fera es par une élection. Eine Wahl stattfinden. Mais nous sommes liés. Aber wir sind à une élection divine an eine himmlische, qui ne se fait pas sur la terre pendant que nous marchons et nous mangeons. Die nicht auf der Erde stattfindet, während wir essen. Une élection qui a été faite déjà avant que nous venions dans le sein maternel. Vorher beschlossen wurde, bevor wir auf diese Erde kamen. Et Dieu t'a choisi. Und Gott sucht dich aus. Mais ton problème, aber dein Problem tu ist, t'es pas avec Dieu. Du kämpfst damit. Mais quelqu'un te dit, mais je viens à l'église. Jemand sagt, ja, ich komme in die Kirche. Venir à l'église ne veut rien dire. In die Kirche kommt heißt nichts. Tu peux être là sans être là. Du kannst da sein ohne dazu. Dieu n'a pas besoin de ta présence. Gott braucht deine Präsenz nicht. Mais il a besoin de ton esprit qui se connecte à son esprit. Er braucht deinen Geist, der sich mit seinem Geist verbindet. Écoutez. Dazu. Dieu. Le Dieu qui choisit. Der Gott, der aussucht. Tu verras au fur et à mesure. Du wirst sehen, il te donnera la vision. Er gibt dir die vision. Après la conversation de Jérémie avec Dieu. Nach der Unterhaltung von Jérémie und Gott. Pour que Jérémie accepte. Damit Jérémie akzeptiert. L'appel. Damit Jérémie die Berufung akzeptiert. Dieu lui dit maintenant. Sagt Gott dann zu ihm. Ce qu'il doit faire. Was er tun muss. C'est le verset 10. Das ist der Vers 10. Jérémie 1. Jérémie Kapitel 1. Verset 10. Vers 10. Jérémie 1. Jérémie 1. 10. Vers. Écoutez bien mes messes. Vers 10. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. Pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Alléluia. Amen. Il lui dit ce qu'il doit faire. Er sagt zu ihm, was er tun muss. Je voudrais quand même marquer quelque chose. Ich möchte etwas unterzeichnen. Comme Moïse boude. Als Mose am Zweifel war. Dieu donne Aaron. Hat Gott gewusst. De ce que Dieu voulait. Von dem, was Gott wollte. Et Moïse und Mose n'était pas convaincu. War nicht überzeugt. Et Aaron, c'était son courage. Und Aaron war dann sein Mut. La plupart des gens ici, und die Mehrheit von Leuten hier, vous êtes souriants ihr seid lächelnd, et souriantes que, lächelnd darüber, après que vous soyez encouragés. Damit ihr dann ermutigt seid. C'est le niveau le plus bas de la chrétienté. Das ist das tiefste Niveau von Christen. C'est le rez-de-chaussée. C'est le parvis. Das ist Erdgeschoss. Et Dieu te veut dans le lieu très saint. Dans le Saint des Saints. Là où il y a Christ et là où il y a la grandeur. C'est ça le problème. Vous savez, lorsqu'on parle du prophétique, beaucoup de personnes attendent que je leur montre comment il m'arrive de voir des choses. Dann erwarten Leute, dass ich denen erzähle, wie man que je leur explique quand je vois des choses erkläre, et que quand je prophétisais hier, gestern
wie gestern prophezeit habe. Je fais ça, 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 pour arriver à voir. Or, si tu ne comprends pas ce que Dieu t'explique sur ta propre vie, la direction qu'il te montre, la direction que tu dois suivre, comment tu vas capter les choses sur la vie des gens? Alors, les désirs des gens, pour comprendre ce que Dieu veut, ça devient un désir orgueilleux pour qu'on me voit comment je vois les choses des gens. Man. Wow. Raison pour laquelle le prophétique, l'apprentissage, l'initiation à la dimension prophétique n'a jamais été la manière à montrer à quelqu'un comment il doit devenir prophète. War nicht die Art und Weise einer Person zu zeigen, wie ou comment il doit devenir prophétique. Oder wie prophétisch wird. Regardez Jérémie. Schaut euch Jérémie an. Au lieu de Dieu. Anstatt, lui dit, quand tu seras prophète, sagt, ja, wenn du prophète, tu vas commencer à te concentrer pour voir les choses. Dieu ne le dit pas. Gott sagt das nicht. Dieu lui dit, je t'appelle. Ich berufe. Regarde. Schaue. Regardez. Schau. C'est différent de voir. Das ist, anders zu sehen. Voir. Sehen. C'est jeter un clin d'œil. Sehen ist einfach eine kleine Regardez. Aber c'est voir avec contemplation. Ist zu schauen mit Admiration. Wunderung. Étude. Oder mit einem gewissen Gefühl dahinter. De connaître. Und danach auch die Kenntnis haben. Il dit, regarde. Er sagt, je t'établis aujourd'hui sur les nations. Ich stelle dich über die sur les royaumes. Über Königreiche. Tu m'établis aujourd'hui. Du stellst mich heute. Mais je suis encore sacrificateur. Je suis encore dans mon poste de sacrificateur. Mais tu m'établis déjà. Aber du stellst mich schon auf. Il dit pourquoi? Also frag mal, pour que tu arraches. Damit du que tu abattes. Auch que tu ruines, que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Und pflanzt. Toutes ces choses-là nous amènent à deux choses. Avant de planter, bevor man pflanzt, tu vas détruire. Musst du erstmal zerstören. Détruire quoi? Was zerstören? La mentalité des gens de ces nations. Die Mentalität von dem Volk. La mentalité, die Mentalität qui les amène à s'éloigner de Dieu. Die sie dazu bringt, sich tu vas détruire cette mentalité. Du musst diese Mentalität kaputt machen. Où cette mentalité? Diese Mentalität, ces cultures, diese Kultur, qui possède, qui domine leurs esprits, die ihre Geister dominiert. Maintenant pour que tu plantes. Damit du danach. Ça veut planter pour mettre une autre sémence. Um eine neue Saat pour les amener à une autre direction. Sie in eine neue Richtung. Mais pour le faire, aber, il faut d'abord détruire. Damit du sie tust, musst du erstmal zerstören. L'ancienne mentalité. Die alte Mentalität. Mais en détruisant, aber wenn du die on détruit dans la parole. Dann zerstört man ein Wort. En plantant. On plante dans la parole. La parole qui détruit. Das Wort, was et la parole qui plante. Und das Wort, was pflanzt. C'est pas la même chose. Das ist nicht die, das gleiche Wort. Amen. Comment wie? Détruire la mauvaise sémence dans la vie de quelqu'un? Wie kann man die schlechte Saat im Leben einer Person zerstören? C'est le montrer. Das ist zu zeigen, ce que Jésus est pour lui. Was Jesus für ihn ist. L'amour de Dieu dans sa vie. Die Liebe Gottes in seinem Leben. Comment maintenant planter une nouvelle mentalité? Wie kann man nun eine neue Mentalität pflanzen? C'est le montrer. De lui zeigen. Ce que Jésus a fait. Was Jesus getan hat. Quand tu détruis. Wenn du zerstörst. Tu montres les œuvres de Christ. Dann zeigst du die Werke von Christus. Quand tu plantes. Wenn du pflanzt. Non, excusez-moi. Quand tu détruis, tu montres ce que Dieu est. Dann zeigst du, was ce que Gott Jésus ist, est. Was Jesus par ce ist. Qu'il a fait. Durch das, was er getan quand tu plantes, wenn du aber tu montres ce qu'il est capable de faire. Du, was Jesus fähig ist, zu partant de ce qu'il est et de ce qu'il a accompli. Von dem, was er ist und was er gemacht hat. Est-ce qu'il y a quelqu'un me comprend? Versteht mich jemand? C'est là où vous remarquerez. Da werdet ihr bemerken. Nous avons un sérieux problème dans le monde prophétique ou dans le ministère prophétique. Moi, je ne crois pas qu'un prophète doit venir en ces lieux. Il y a 200 personnes. Il prophétise sur les 200 personnes. Je ne crois pas à ça. C'est faux. Dans la Bible, je n'ai pas vu ça. Jean chapitre 1. Johannes Kapitel 1. Le Seigneur gagne les disciples. Pendant qu'il gagne les disciples, gewinnt, vous allez remarquer une chose. André, le frère de Pierre, il est venu seul. Il a entendu Jean.
Johannes gehört. Jean 1, verset 29. Johannes 1, 29. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. André était disciple de Jean. Il suivit Jésus. Und die folgten dann Jesus. André va appeler Pierre. André wird Petrus rufen. Qui était son frère. Der sein Bruder war. Pierre vient. Petrus kommt. Le Seigneur l'appelle par son nom. Und der Herr ruft ihn nach seinem Namen. Parole de connaissance. Wort Erkenntnis. Il dit. Er sagt. Tu es. Du bist. Simon, fils de Jonas. Du bist sicherlich der Sohn von Jonas. Das heißt, man nennt dich Simon. Pierre était étonné. Und Petrus que Jésus connaissait son nom. Bestürzt, dass Jesus seinen Namen kannte. Les histoires de Noé ça commençait là. Die Geschichte von Noé und dort begonnen. C'est pas une invention. Das ist keine Erfindung. C'est ça les maçons de Noé. Das ist unsere Unterhaltung. Ça commençait par Christ. Das hat durch Christus begonnen. Quand je t'appelle Jeannette, Lier. Wenn ich dich Jeannette nenne. Ça commençait là. Das fängt da an. Il voit Nathanaël. Sie sehen Nathanael. Il dit voici un Israélite en qui il y a point de fraude. Ah, ein Israélite, wo keine Frucht mehr drin ist. Parole de connaissance. Wort Erkenntnis. Tu vois le Seigneur? Siehst du der Herr? Il gagne les âmes. Er gewinnt Seelen. Pour les amener à une certaine direction. Um sie in eine bestimmte Richtung zu lenken. Mais le mot prophétique c'est quoi? Aber die prophetische Welt ist. On veut comprendre comment Jésus fait. Man möchte verstehen, wie comment Jésus avait fait. Oder wie Jesus gehandelt pour hat. Voir les noms de Simon. Um den Namen von Simon zu haben. Ça ne s'apprend pas. Und das lernt man nicht. On se retrouve, on a entendu les noms de Simon. Sondern man befindet sich an der Lage, wo man den Namen gehört hat. C'est pour cela. Deswegen. Quand Jésus est monté au ciel. Wenn Jesus hat zum Himmel aufgestiegen. Dans chapitre 4. Dans Ephésiens 4. À partir du verset 8. Étant monté au ciel, il a fait des dons aux hommes. Verset 11, il nous dit, il a donné aux hommes comme évangélistes, pasteurs, prophètes, évangélistes, docteurs. Il dit pour le perfectionnement des saints. Mais Jésus en partant, il ne nous a pas expliqué comment les pasteurs doivent être. Comment les prophètes doivent se comporter. Comment l'apôtre doit se comporter. Comment l'évangéliste doit se comporter. Vous savez pourquoi? Dieu a créé l'homme avec une pensée divine, une pensée d'éternité. Ecclésiastes chapitre 3, verset 11. Quand on parle de l'éternité, wenn man von der Ewigkeit spricht, l'éternité veut dire quoi? Was bedeutet die Ewigkeit? L'éternité ne veut pas dire ce qui est ancien. Die Ewigkeit sagt nicht das, was l'éternité veut dire die Ewigkeit l'absence du temps. Das Abwesenheit der Zeit. Dieu a créé l'homme, das heißt, Gott hat den Menschen avec les la pensée de vivre hors les temps. Mit dem Gedanken über hors les systèmes établis par les hommes. Über ein System, was von den et l'homme peut fructifier des choses. Der Mensch kann l'homme peut aller de l'avant. Der Mensch c'est cela vous verrez des inventions, des avions et des innovationen sehen, Flugzeug, alles mögliche. Parce que l'homme a ça. Weil der Mensch doch l'homme crée l'avion. Der Mensch kreiert les chrétiens ne créent rien. Die Christen kreieren nichts. Regarde là-bas qui t'a la table. Je vais dans le spiegel. Là, mon côté prophète agit. Quand ça sort, je deviens sévère. Wenn meine prophetische Seite dann rauskommt, dann werde ich. J'ai eu la tristesse. Quitte à la table, alors on pouvait le couper. C'est-à-dire, on coupe cet appel. Man kann diesen Anruf auch einfach stoppen. Mais quitte à la table, a sonné jusqu'au bout. Du kannst den Anruf hören. Si c'est important, la personne. Wenn es wichtig ist, dann appelle ich die Person zurück. Ça mène même pas 10 000 euros. Aber dieser Anruf bringt nicht mal 10.000 Euro. Bien aimé. Geliebte. Nous blaguons avec Dieu. Wir spielen mit Gott. Moi, des fois, je peux être dans une église. Manchmal kann ich in einer Gemeinde sein. Je parle, pas ici. Hein. Ich spreche also nicht hier. Et des endroits en anglais, je suis parti. Ein Ort, wo ich mal in England hingegangen bin. Dieu m'a dit. Gott hat zu mir gesagt. Ces gens. Diese Leute. Ne comprennent pas ce que tu dis. Verstehe nicht, was du sagst. Tu sens comme si on t'achetait une douche froide. En fait, ils sont assis, m'a dit, une douche gekauft. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelle est la leçon à tirer par rapport à ces choses?
Was ist die Lektion, die man aus dieser Sache ziehen kann? Ma pensée, c'est quoi? Mein Gedanke, Dieu dans son choix, Gott in seiner Auswahl, il veut créer une mentalité prophétique en toi. Eine prophetische Mentalität qui ne consiste pas à savoir comment tu dois écouter Dieu, wie du Gott hören kannst, ou comment tu dois entendre les noms de quelqu'un, oder wie du den Namen von jemandem ou comment tu dois dire des choses de la vie de quelqu'un comme je faisais hier. Mais comprendre d'abord qui tu es, wer du bist, Dieu t'appelle à quoi, wozu Gott dich beruft, et tu te retrouveras und dann wirst du wieder dans une dimension, in einer anderen dimension, très élevée, sehr erhoht et prophétique. Parce que aucune personne on l'a appris comment marcher. Keine Person hat man beigebracht, qui l'a appris comment tu marches? Wer hat dir beigebracht, wie man läuft? Qui? Wer? Jésus est parti. Jesus ist gegangen. Il n'a pas dit comment un prophète doit être dans le Nouvel Alliance. Er hat nicht gesagt, wie ein Prophet in dem Neuen Bund. Vous savez pourquoi? Warum? Parce qu'il savait que le Saint-Esprit viendra. Weil er wusste, dass der Heilige Geist kommt. Il nous enseignera toutes choses. Jean chapitre 14. Verset 26. Lorsque le consolateur, l'Esprit Saint viendra, il vous enseignera, il vous amènera dans toute la vérité. Nous tous là, le Saint-Esprit nous enseigne. Mais il est tellement doux. On l'écoute pas. Il te dit, tu sais, tu vas éviter de pleurer. Hein? Er sagt, weißt du, du musst vermeiden zu weinen. Du musst vermeiden, deine Tränen gießen zu lassen. Nuit, quand tu penses à in der Nacht, wenn du an bestimmte Dinge denkst. Das ist er. Qui parle. Das ist er, der spricht. Tellement doux. Und der Heilige Geist ist so sanft. Qui va l'écouter? Wer wird da noch c'est pas l'Éternel des armées. Es ist nicht der Herr der Völker, qui ouvrait la terre, der die Erde aufmacht, in der Zeit Mose, damit die Leute soit reinkommen. Soit tu fais pas. Entweder machst du das oder du machst es nicht. Lui, c'est la douceur du Saint-Esprit. Bei der Heilige Geist ist das die Sanftmütigkeit. Du entwickelst dein Gebetsleben. Tu n'arrives pas à dormir. Du schaffst es nicht zu schlafen. Tu peux pas prier. Kannst du nicht beten stattdessen? Ah, mais je suis fatigué. Ah, ich bin müde. Mais tu es sur ton portable. Aber du bist an deinem Handy. Du scrollst. Du scrollst. Cette photo-là, non, je vais mettre ça dans mon story. Ça, dans mon story, ça ne va pas impacter. Qui te donne l'intelligence de faire des stories? Qui te donne l'intelligence de faire des stories? Où tu sois un Gesicht ziehst. Et tu vas te retrouver la journée à 24 heures. An einem Tag 24 tu passes au moins 12 heures avec ton téléphone. 12 Stunden verbringst du mit deinem Handy. Und ich sage mindestens 12 Stunden. Mais tu n'arrives pas à prier. Aber du schaffst es nicht zu beten. Pendant 20 minutes. Für 20 Minuten. Mais le Saint-Esprit vient avec douceur. Und der Heilige Geist kommt nun mit Sanftigkeit. 1 Samuel, chapitre 10. Kapitel 10. Damit werde ich beenden. Samuel veut introduire Saül dans une dimension prophétique. In eine prophetische Dimension. Bien aimé, quand vous allez retourner wenn à la maison, wenn ihr nach Hause lisez ces textes. Lest euch diesen Text durch. Il le voit. Er sagt, il le voit. Er sagt, mais il ne le montre pas. Aber er zeigt ihn nicht. Comment il va commencer à voir des choses comme lui? Wie er anfangen wird, Dinge zu sehen, so wie er. Il lui dit, er wird nur zu ihm sagen, quand tu vas m'écouter, wenn du von mir weggehst, tu vas arriver dans tel endroit, dann kommst du an tu rencontreras deux hommes. Und du wirst Menschen, ils vont te donner des pains. Und die werden gebrochen. Non. Maintenant, tout ce qu'il lui a dit, jetzt alles, was er ihm gesagt hat, obéir. Er musste darauf quand kommen, lui donne deux pains, dass man ihm Brot geben il doit prendre. Und dass er den Brot auch nehmen muss. Aber wenn wir es sind, les pains qu'on doit lui donner, das Brot, was ça man ihm geben müsste, das entspricht dann dem Brot, was wir lieben. Moi, j'aime du pain blanc. Nee, ich mag Weißbrot. Ça, ça fait grossier. Ja, das mais le prophète dit, on te donnera les pains. Aber wenn man c'est pas à toi de choisir la qualité du pain. Du darfst nicht entscheiden, wie die Qualität des Brotes sein wird. Moi, je mange pas la pizza. Nee, ich esse keine je Pizza. Ça dit que je mange pas la pizza. Nein, ich esse keine Pizza. Oh. Voyez comment on opère. Seht ihr, wie wir sind, wie wir handeln. Il a dit, hein, er hat gesagt, tu des hommes, du wirst zwei Menschen, le pain, die werden dir Brot geben. Mais il n'a pas défini la sorte de pain. Aber er hat nicht definiert, welches Brot. Ça sera le pain que toi tu aimes. Er hat nicht gesagt, das ist das Brot, was du magst. Mais un pain, aber ein Brot, le pain, que Brot, ils ont, was sie haben werden, ça peut être dur, das kann mais hart toi, sein. Tu ce pain. Aber du musst dieses Brot nehmen. Alors, lorsque Saül maintenant a obéi, als Saul nun gehorcht hatte,
Il a rencontré une troupe de prophètes. Il prophétisait. Lui aussi, il a commencé à prophétiser. Il s'est retrouvé en train de faire la chose. À tel enceinte que les gens se sont posé la question. Est-ce que ça fait partie aussi du groupe de prophètes? Mais qui lui a appris de faire la même chose qu'eux? Die gleiche Sache zu tun, de s'identifier à eux, sich denen gleich zu machen, comme s'il était un prophète. Als sei er auch ein Prophet. C'était l'obéissance, das war die Gehorsamkeit, aux paroles, vom Wort, du prophète. Vom Prophet. C'est l'obéissance, die Gehorsamkeit, qui t'amènera à la découverte. Sie bringt dich zur Entdeckung. Et tu te retrouveras, und du wirst dich dann wiederfinden, opérer dans une certaine dimension. Wie du handelst in einer bestimmten Dimension. Beaucoup de personnes m'ont posé des questions. Viele Leute haben mir die Frage gestellt. Qu'est-ce que tu fais? Was machst du? Qu'est-ce que tu fais? Was machst du? Tu parles avec quelqu'un. Ich habe mit jemandem. Il m'a dit ceci. Er hat zu mir folgendes gesagt. Il m'a dit, j'ai entendu un enseignement. Ich habe eine Belehrung gehört. Il a dit, je t'ai vu il y a quelques années en arrière, on t'a posé la question sur Casarem. Er hat gesagt, ja, man hatte die Frage gestellt über Casarem. On a dit, qu'est-ce que tu dis concernant was sagst du bezüglich les hommes de Dieu, des prophètes, qui sortent de leur corps, die aus den Körpern ausgehen, ils voient des choses, die sehen Dinge, ils se retrouvent, ils sont par exemple en Allemagne, sie sind zum Beispiel dann in après un moment donné ils sortent, ils se retrouvent, dans un autre pays, in einem anderen Land. On m'avait posé cette question, man hat mir die Frage gestellt. J'avais dit, je ne suis pas là pour ça. Ich habe gesagt, chacun croit ce qu'il veut. Jeder glaubt, ce jour-là, j'avais répondu comme ça. Parce qu'il y avait beaucoup de tensions. Je ne fais pas des histoires de polémiques, des Congolais. Je ne rentre pas là-dedans. Alors, ce frère-là, quand il a suivi cette émission, il a dit, ah, mais lui, il cache des choses. Parce que le frère m'a vu opérer certaines choses. Il opérait dans certaines dimensions où quelqu'un est en train de boiter. Dabei ist, je viens, je ne prie pas. Ich komme und bete. Je touche. Ich bete nicht, ich, la personne là où elle a mal. Diese Person einfach, wo sie Schmerzen je hat. Fais un mouvement comme ça. Und dann mache ich so eine Bewegung. Sans parler. Ohne zu sprechen. La personne guérit. Und die Person ist dann geheilt. À l'église. In der Kirche. Des vidéos sur les nets. Es gibt Videos online. C'est une dimension. Das ist eine Dimension. Je ne le fais pas tout le temps. Ich mache das c'est quelque chose à passer dans mon cœur. Das ist etwas, si je commence à le faire tout le temps, wenn ich das immer mache, je commence à. Dann fange ich an. Ah, mais ça comme si c'est une doctrine. Es zu machen, als sei es eine Doktrine, eine Gewohnheit. Amen. Amen. Alors ce frère-là, also, dieser Bruder, il est parti sur Internet. Ist dann zum Internet gegangen. Il est tombé sur la vidéo d'un frère, d'un prophète. Ist auf ein Video von einem Propheten gestoßen. Il disait, moi je vais sortir du corps. Und sagte, ja, je dieser Prophet sagte, ja, ich kann aus meinem Körper rausgehen, ich kann in einen anderen Raum gehen. Und das hat mich dann eben weit gebracht. Il a fuir. Er hat angefangen, dann weiter zu recherchieren, hat sich konzentriert. Lui aussi sort. Damit er auch selber aus seinem Körper rausgehen kann. Alléluia. Paul dit, Paulus sagt, il y a quelqu'un. Es gibt jemanden. Qui a été élevé jusqu'au troisième ciel. Bis zum dritten. Paul dit, Paul sagt, c'est le grand apôtre Paul. Das ist der große Apostel Paul. Il est plus grand que ton grand-père. Er ist viel größer als dein Großvater. Le grand apôtre Paul dit, der große Apostel je ne sais pas si c'était dans la chair, ich weiß nicht, ob es im Fleisch war, ou si était dans son esprit. Oder in seinem Geist. Alors, par ce passage de Bible, also durch diese Passage, on ne peut pas sortir du corps volontairement. Man kann nicht einfach so ton esprit ne peut pas se retrouver quelque part volontairement. Dein Geist kann nicht irgendwo anders sein. Ce sont des mystères. Si on le fait volontairement, wenn man das freiwillig tut, il y a deux choses. Dann gibt es zwei Dinge. Soit, entweder, on veut se faire passer pour quelqu'un d'important. Man möchte sich als jemand Wichtiges ausgeben. Soit on a laissé la sainte doctrine. Oder man hat diese heilige Doktrin. Et nos bien-aimés que nous connaissons. Ils ne sont pas forcément peut-être dans la magie. Ils veulent se donner une importance. Sie möchten sich aber nur Wichtigkeit geben. Sie möchten sich wichtig zeigen, stolz. Que je sois différent. Ja, ich muss anders sein. Pour certaines personnes. Für einige Personen. Ils sont déjà de l'autre côté. Die sind schon auf der anderen Seite. De l'autre côté. Andere Seite. Laissant la parole, laissant Dieu. Die lassen Wort, die lassen das Wort, die lassen Gott. Und wir gehen in die andere Seite. L'exercice des dons, die Ausübung von les paroles de connaissance, Worterkenntnis, ce n'est pas le fait d'impressionner les gens. Ist nicht die Tatsache, Leute zu beeindrucken. Jésus dit à Nathanaël, Jesus sagt zu Nathanael, voici un Israélite, siehe ein Israélite, en qui il n'y a point de fraude.
an denen es je t'ai vu quand tu étais sous le figuier. Ich hatte dich gesehen, also parole de connaissance. Worterkenntnis. Après, il lui dit encore. Und dann sagt er zu ihm nochmal, tu verras encore de plus grandes choses. Du wirst noch größere tu verras des anges monter. Du wirst Engel hinaufsteigen sehen und runtergehen. Jésus maintenant. Après qu'il lui ait donné une parole de connaissance, nachdem er ihnen Worte gegeben hatte, was ihm überzeugt hatte, was ihn dazu erlaubt hat, sein Ohr zu öffnen und den Herrn zu hören, fängt er an, ihm eine Belehrung zu geben sur les réalités spirituelles. Über die spirituelle Realität. Les anges habitent au ciel, die Engel wohnen im Himmel. Und der Herr sagt zu ihm, pour toi, für dich werden sie neben dir sein. Sie werden runtergehen. Non, ils vont monter. Sie werden hochgehen. Donc, c'est qu'ils étaient sur la terre. Das heißt, sie waren auf der Erde. Il veut lui dire ceci. Er möchte ihn quasi si tu t'attaches à moi, wenn du dich an tu verras mich, Jesus, festhältst. À chaque fois que Dieu parle, jedes Mal, wenn Gott il donne une parole de connaissance. Er gibt ein Wort der Kenntnis. Quel est le message qui suit? Was ist dann die Botschaft, die daraus kommt? Quel est le message qui suit? Was ist dann die Botschaft oder die Nachricht, die daraus kommt? Comprenez? Versteht ihr das ein bisschen? Écoutez. Hör zu. Hier, j'ai tenté d'exercer les dons. Gestern habe ich il y a l'évangéliste qui était ici. Es gab den Evangelisten, der hier war. Vous allez voir, il y avait deux tendances. Ihr werdet sehen, es gibt zwei Tendenzen. Je lui ai dit, ich habe dir gesagt, ce qu'il est, das, was er ist, ce qui s'est passé dans sa vie, das, was in seinem Leben abgelaufen ist, et ce que Dieu attend de lui. Und das, was Gott von ihm erwartet. Le plus important dans le message, das Wichtigste in der Nachricht, c'est ce que Dieu attend de lui. Or, ce que Dieu attend de lui, c'est ce qu'il doit faire. Ist das, was er auch tun muss. Mais, aber, pour donner lui le poids, um ihm diese Schwere zu geben, à ses messages, um diesem Wort ein bisschen Schwere zu verleihen, que je lui dise ce qu'il est, hat Gott mir erlaubt, ihm zu sagen, was er ist, dans sa vie, und was in seinem Leben passiert ist, und das, was in seinem Leben gerade passiert. Maintenant, quand tu me dis, und wenn du mir jetzt sagst, que dass ma mère s'appelle Jeanne, meine Mutter Jeanne heißt, après cela, maintenant Jeanne là, elle fait quoi? Danach, was hat diese Jeanne dann gemacht? Amen. J'appelle les gens aussi par leur nom. Ich nenne Leute auch manchmal bei ihrem Namen. On a bête à ma plante. Je vous avais dit ça hier. Ich habe euch gestern gesagt, ich mache das. Vous voyez même les bergers là. Seht ihr sogar. Mon fils la berger. Meinen Sohn hier. Il est avec moi tous les jours. Er ist jeden Tag mit mir. Je lui dis des trucs. Und ich sage ihm Dinge. Il est choqué de vous. Und er ist manchmal choqué. Je le regarde comme ça. Je dis, tu parles avec un de tes amis. Ich sage zum Beispiel, du bist mit einem qui est dans tel pays, qui s'appelle Intel. Il tombe. Il tombe. Okay. Il tombe. Et moi, je le dis sur ton portable, tu as un message. Que tu as reçu. Amen. On t'a écrit ça. Mais dans ces messages, toi tu as dit ça. Mais Dieu veut que tu fasses ça. C'est ça le travail. Das ist die Arbeit. C'est pas impressionner. Das ist nicht um beeindrucken. En fait, Dieu veut que des fois qu'on dise certaines choses secrètes. Gott möchte, dass wir manchmal so pour que les gens comprennent que Dieu me connaît, que Dieu te connaît. Damit die Leute verstehen, dass Gott dich kennt. Et que si tu révèles ces choses, c'est pour augmenter ta foi. Alors on doit te dire. Das heißt, man muss c'est que Dieu attend de toi. Was Gott von dir erwartet. Pas simple. Prophète. Pas un mot. Tu peux fermer la bouche. Oh, oh. Amen. C'est pour ça que je disais, quand Dieu dit à Jérémie, als Gott Jérémie sagt, littéralement quitte l'appel des sacrificateurs, vers l'appel des prophètes, il ne lui explique pas comment être un prophète. Ihm nicht, wie ein Prophet ist. Je vais finir là. Ich werde dort beenden. Deux Rois chapitre 3. Zweiter Könige, Kapitel 3. On va lire un verset seulement. Wir werden nur ein Vers lesen. Voilà le verset 11. Mais Josaphat dit, y a-t-il ici un prophète de l'Éternel par qui puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Alléluia. Amen. Waouh. Un prophète. Considérable. Mais comment il a appris le prophétique? Aber wie hat er das Prophetische gelernt? 1 Roi 19, verset 16. 1. Könige 19, tu es là, Élisée, prophète, à ta place.
2 Rois chapitre 2. Ces deux textes se séparent au milieu avec 10 ans d'écart. Zwischen diesen zwei Texten liegen 10 Jahre Unterschied. Quand on lui parle dans 1 Rois chapitre 19, il avait entre 25 et 30 ans. War zwischen 25 und 30 Jahre alt. L'aîné de la famille, son père lui confiait les responsabilités. Sein Vater hatte ihm Verantwortung überlassen. Vous avez remarqué dans les contextes, und ihr werdet in dem Kontext il était avec la 12e père du troupeau. Er war mit dem 12. Vater c'est-à-dire, d'autres étaient avec les serviteurs. Das heißt, er war mit den, il était dans un apprentissage. Er war in einem Lernprozess. Il commençait à s'occuper des affaires de son père. Sich Dinge von seinem Vater qui zu kümmern, était son héritage. Welche seine Dieu l'a fait abandonner ses fonctions. Gott hat ihn dazu berufen, seine Funktion pour devenir un prophète à la place d'Élie. Damit er ein Prophet am Stelle von Elia wird. Qui fut Jézabel. Welche Jézabel. Il vient auprès d'Élie. Er kommt au lieu qu'Élie lui apprenne, anstatt dass Elia comment il va commencer à voir des choses de Syrie. Comment ses ossements vont ressusciter un mort. Comment il va guérir Naaman. Vous savez ce qui s'est passé? Wisst ihr, was passiert ist? Il lui dit petit. Er sagt zu ihm, kleiner, converse seulement l'eau entre mes mains. Wow. Gieße einfach Wasser über meine Hände. Chaque jour. Jeden Tag. Mais lui, il peut pas laver les mains. Aber er kann sich die Hände waschen. Je voulais dire à quelqu'un, si je ne t'ai jamais demandé de m'enlever les chaussures et que tu es mon fils, c'est que tu ne l'es pas encore. Oh. Il ne lui a pas dit comment, il ne lui a pas dit comment on pouvait dire. Verse seulement de l'eau entre mes mains. Quand on lisait le verset, Élisée avait un oncle qui s'appelait Moutamantek. Elisa hatte einen Onkel, der einen Namen hatte. Dieser Name hatte, der Onkel hat ihm gesagt, du bist verrückt geworden. Tu sortis de mon famille. Du kommst aus einer guten Familie. Tu as un héritage. Du hast einen Erbe. Du bist klug. Comment tu peux tout abandonner? Kannst du alles vernachlässigen, um nur das zu tun? C'est ce qu'on vous dit dans vos familles. Und das sagt man euch auch in euren Familien. C'est là quand tu es à l'église. Deswegen, wenn du in der Kirche bist, pastor, papa. Du rufst deinen Pastor und Vater. Quand tu es dans ta, aber ta wenn famille, du in deiner Familie bist, tu l'appelles apôtre. Dann nennst du ihn Apostel. Tu as même peur de dire apôtre, tu dis pasteur. Du hast sogar Angst, apôtre. Parce que quand tu dis apôtre, on va te poser la question, c'est qui l'apôtre? Et tu n'as pas de, tu ne sais pas défendre le ministère apostolique, c'est quoi? Und du wirst nicht wissen, wie du diesen Minister. Parce qu'on va te demander la différence entre le ministère d'apôtre et le prophète. Dann wenn man dich fragt den Unterschied zwischen Dienst von Apostel und Prophet, tu n'as pas la connaissance de la matière. Dann hast du diese Kenntnis nicht. Non, parce qu'on t'a pas enseigné ça. Nicht, wenn man dich das nicht belehrt hat. Parce que toi, tu es là pour les mariages. Sondern weil du da bist für die Hochzeit, für die Ehe. C'est pour cela que vous prenez des billets, vous partez à Paris. Deswegen nehmt ihr Kopf-Tickets und geht nach Paris. Venez prier dans telle salle. Ja, Gebetsnacht in diesem und diesem. Une grande salle. Ein großer Saal. Il y aura un prophète des nations. Il y aura un homme de feu. Il y aura des hommes de gloire. Il y aura Shung Chang. Es geht nicht so ganz. C'est les aventures des Tinker. Aber das ist einfach nur Dummheit. Shung Chang. Et ce ne sont que des films. Quand on regarde Rocky Balboa, so wie man die Filme anschaut, c'est du faux. Das ist alles falsch. Pourquoi c'est du faux? Warum ist das falsch? Parce que ça change pas ta vie. Denn das ändert nicht dein Leben, was mais du le matin tu transpires. Aber am Morgen schwitzt du. Mais ta vie ne change pas. Aber dein Leben ändert sich. Les mêmes sorciers que vous avez tués dans cette ville. Die gleichen Zauberer, die Magier, die ihr in dieser Gebetskammer getötet habt. Vous allez les tuer encore le 31 décembre. Ihr müsst die dann am 31. nochmal töten. Vous allez les tuer encore dans d'autres pays. Ihr werdet sie nochmal töten in anderen Gebetsnächten. Mais le diable, il a combien de têtes? On les coupe les têtes. Aber der Teufel, wie viele Köpfe hat er denn? Er hat immer seinen Kopf. Ma Bible dit ceci. À mon nom, vous chasserez les démons. Et on n'a pas dit que vous couperez les têtes. Ce sont des esprits. L'Église souffre d'un réel problème de doctrine. Si j'étais venu ici, sans que je puisse exercer les dons, et demain encore j'ai prophétisé. Et puis demain, la prédication là. Mais qu'on dit là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des choses. Es gibt Dinge, tu dois seulement te retrouver là. Du musst dich einfach dort wiederfinden. Parce que tu obéis.
verse de l'eau entre les mains. Gieße Wasser auf die Hände. Il dit à Naaman, pour ta guérison, für deine Heilung. Je le crois. Parce que Élisée savait que Elisa wusste, pour que je devienne prophète, damit ich ein Prophet werde, je devais seulement verser de l'eau. Muss ich einfach nur Wasser verser. Pour sa guérison, il est orgueilleux. J'ai besoin de ne pas le rencontrer. Ich brauche ihn nicht zu treffen. Et lui envoyer un message. Er schickt ihm eine Nachricht. Jette-toi dans l'eau. Werfe dich ins Wasser. Et puis cette fois. Und dieses Mal. Naaman s'est vagé. Und Naaman wollte nicht. Mais quand il a obéi, il était guéri. Aber als dann gehorsam war, war c'est er ça le prophétique. Das ist das prophétische. Le prophétique. Das prophétische. C'est lorsque les paroles. Ist wenn die Wörter. Lorsqu'une pensée. Wenn ein Gedanke. Quitte l'esprit. Den Geist verlässt. Quitte l'éternité. Die Ewigkeit la pensée se matérialise par un acte. Und dieser Gedanke wird materiell durch eine Handlung. C'est là où le prophétique rentre en exergue. Und da fängt das prophétische an. David pouvait être là dans le champ de bataille. Die Bibel könnte das er im Kampf sein. Il croise les bras et dit rien. Und er verschränkt seine Arme und sagt nichts. Il allait commencer à avoir peur comme d'autres personnes. Er wird dann anfangen Angst zu haben wie andere Personen. Il est venu là pour commencer à menacer. Er ist gekommen und hat angefangen zu. À dire les choses. Dinge zu sagen, si was wir passieren. Il commence à poser des actes. Er fängt an, prophetische Handlungen zu machen. Ça, ça nous manque. Und das fehlt uns. Ma soeur, tu es jolie, tu es bien. Meine Schwester, du bist hübsch, du bist schön angezogen. Ja, me faire plaisir. Ja, er sagt das nur um. Ich glaube, das ist sehr gut. Aber eigentlich auch nicht. Tu pars aux toilettes, tu te regardes. Schnell gehst du in die Toilette, schaust dich ins Spiegel. Das ist komplex, qui t'amène à ça. Das ist dieser komplex. Und die, tu es jolie, tu es jolie. Man sagt, du bist hübsch, dann bist du hübsch. Alléluia. Amen. Voilà, c'est ça ce que je voulais vous dire. Und das ist das, was ich euch sagen wollte.